Bonjour à tous et bienvenue sur Digital 101. Aujourd'hui, on va voir comment faire une double expo minute. Donc, on a besoin d'un personnage qu'on va définir en forme prédéfinie, donc un brush, un pinceau et d'un background. Une fois qu'on a défini le brush, on va faire réapparaître le background. On va baisser un peu son opacité et on va appliquer un masque d'écrêtage. Et sur ce masque d'écrêtage viendra apparaître avec le brush le personnage. Donc, on le replace au même endroit. On appuie plusieurs fois en fonction de l'opacité qu'on voudrait. Et on inverse avec commande I ou contrôle I sur PC afin d'avoir ce résultat-là. Et afin d'améliorer un peu le double expo, on prend une brush floutée et puis on fait réapparaître certains éléments, comme le visage ou bien les tissus. Et une fois que c'est fait, il vous reste plus qu'à modifier un peu le double expo en rajoutant un petit peu de folie ou autre. Moi, pour ma part, je vais juste rajouter un dégradé et puis le mettre en mode fusion en superposition. J'espère que ça vous a plu, le tuto minute sur la double expo. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de tutos. Et bonne journée!